Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La cinquième phase du dialogue politique a refermé ses portes ce vendredi à la primature. Elle a été marquée par la signature d'un rapport final par l'ensemble des parties prenantes au processus en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Le chef du gouvernement salue la forte implication de la classe politique et de la société civile. Alexis Ouedraogo. Signature à l'unanimité ce vendredi du rapport de la phase 5 du dialogue politique. Durant 2 mois, partis et groupements de partis politiques et organisations de la société civile, autour de la table de discussion, se sont parlé pour aplanir les différends, consolider la paix. Un véritable succès pour le chef du gouvernement, le temps d'une ère nouvelle pour le pays. Pour la première fois, 100% des acteurs ont signé dès le premier jour. Je crois que cela augure pour notre pays d'un avenir dans lequel la démocratie est encore plus renforcée, mais surtout où la stabilité et la paix durables sont maintenant un fait incontestable. Il faut en féliciter bien sûr les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, mais comme je l'ai dit, tous les Ivoiriens. Maintenant se dresse devant nous une ligne droite, pleine d'opportunités, de lumière. Nous devons consacrer l'essentiel de nos efforts au développement de notre pays et à la préparation pour nos générations futures d'un monde meilleur. C'est le 16 décembre dernier que, sur instruction du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Kachi ouvrait cette phase 5 du dialogue politique. Ce vendredi, à l'auditorium de la primature, l'hymne national a retenti. Tony sans protocole à l'unisson pour célébrer la Côte d'Ivoire. Et dans le dossier vide ici de ce soir, on parlera de la cherté de la vie. Ces derniers jours, les prix des denrées de grande consommation ont connu une hausse. Le gouvernement est monté au créneau pour rassurer les populations à travers des actions menées par le comité de lutte contre la vie chère. En attendant, Abidjan et d'autres villes du pays essaient de s'adapter. Chacun espère une amélioration de la situation. On fera un tour sur le terrain pour faire le constat. Comment l'intérieur du pays vit cette période, vit d'ici de ce soir avec Eugène Atoubé, à suivre dans le 20h. Et nous sommes à la veille de l'ouverture du Massa 2022. La RTI est à pied d'œuvre pour relever le défi de la couverture médiatique du marché des arts du spectacle d'Abidjan. L'événement se tient du 5 au 12 mars dans la capitale économique ivoirienne. À quelques heures de cette grande rencontre africaine, une équipe de la radio-télévision ivoirienne s'est rendue sur le terrain. Elle s'assure du déploiement du dispositif technique. La RTI s'est dit prête à couvrir toutes les articulations du Massa 2022. Dans le reste de l'actualité, le président de transition au Burkina Faso a nommé ce jeudi Albert Ouedraogo, économiste de formation au poste de Premier ministre. Il sera à la tête d'un gouvernement de 25 membres. Cet universitaire de 53 ans dirige un cabinet de conseil et d'audit des entreprises depuis 2007. Selon la présidence, il dispose d'une solide expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées. L'une des principales missions qui se présente à lui, c'est l'audit général du secteur public annoncé par le lieutenant-colonel Damiba, une mesure visant à insuffler la bonne gouvernance dans l'administration. Et puis les membres de l'OTAN ont rejeté ce vendredi la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit, le secrétaire général de l'Alliance précise que les alliés sont convenus qu'il n'y aura pas d'avions ou de troupes au sol pour éviter une guerre totale en Europe. Par ailleurs, l'OTAN dénonce l'utilisation de bombes à fragmentation par Moscou dans ce conflit. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé ce vendredi une résolution en faveur d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits humains et du droit humanitaire en Ukraine après l'invasion russe.
Et une crise qui touche le sport, menace de boycott, tension entre athlètes, exclusion au dernier moment des sportifs russes et biélorusses. Les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin se sont ouverts ce vendredi dans un climat tendu par la guerre en Ukraine. Les athlètes ukrainiens se sont présentés point levé dans le stade sous les applaudissements un peu plus nourris du public. Paix, c'est par ce cri que le président du Comité international paralympique a conclu son discours d'ouverture de la troisième édition. L'actualité se poursuit dans le 20h. À suivre tout de suite les infos régionales.